Bonjour YouTube, deuxième épisode de Night Springs, l'extension d'Alan Wake 2. L'étoile polaire. Let's go, allons voir ce qu'il en est. On a fait dans le premier épisode qui était déjà être sur YouTube théoriquement. Le premier épisode justement. Une jeune femme bien décidée à sauver un être cher, tentant de devancer les agents gouvernementaux douteux à ses trousses. Des membres de l'agence même qui lui a pris la personne qui est tout. Dans sa quête, elle est guidée par un mystérieux être, son ange gardien. Sa bonne étoile lui montre le chemin, comme elle l'a toujours fait. Elle ignore quelles étrangetés la guettent, tandis qu'elle suit sa fidèle lumière jusqu'à la petite ville de... Night Springs. Zone X. Ouais, mais la petite ville de Zone X, ça va ça. Ce soir, un épisode onirique. L'étoile polaire. Incroyable. Oh, c'est trop stylé. Hey. Les choses vont devenir bizarre. Oh, mais c'est Jesse Faden de Control. L'univers est incroyable. Complexe et étrange que ce qu'on pense. Mon frère et moi, on le sait. C'est la directrice. On t'a vu. Mais il y a des personnes, disons des agents, qui font tout pour nous empêcher de voir au-delà des apparences. C'est pour ça qu'ils ont pris mon frère. Oh, trop stylé. J'ai couru après toute ma vie. Mais j'en ai assez. Oh, mais c'est trop bien. Faut jouer Jesse, quel plaisir. Eh ben, ok. C'est parti. Je sais pas ce qu'on fait ici, du coup. Je sais pas ce que Jesse Faden fait ici. Ah, il faut trouver le frère. Bah oui. Elle fait que ça, de toute façon. Elle fait que chercher son frère. Ah, on joue dans Coffee World, donc le parc d'attractions de Alan Wake. On sait rien, moi. On est censé avoir des indices quelque part. Il y a écrit quelque chose là? Non. Eh bah softlock alors. Hein. Ah non, il y a un truc là. 238. Tu crois qu'un truc ici peut nous aider? Quoi? Les chiffres? 238 donc. Eh bien merci beaucoup. Je n'ai jamais réussi à trouver l'agence gouvernementale qui a pris mon frère. Jusqu'à maintenant. Tu m'as aidé à trouver cet endroit. Maintenant, tu vas m'aider à trouver mon frère. C'est vrai. Alan Wake. C'est vraiment trop stylé. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouais, les ombres, putain. Forcément. Ça pouvait pas être deux fois la même chose. Oh, on a pas d'armes, du coup on joue sans armes là. Coffee World. Est-ce que je peux aller C'est quoi ces machins? Bonjour. Ah bah j'ai des munitions. Un café? C'est ça qu'ils disent? Ah c'est par là-bas donc. Bon ça va, je peux les passer. Tu crois qu'on devrait y aller? Ouais, va au belvédère. Ah, c'est reparti avec la lampe de poche là. On a moult piles. Oh, c'est le shérif Breaker, Tim Breaker. Madame, là, venez dans la lumière. Il déteste la lumière. Vous devriez pas être là. Comment vous avez pu entrer? Merde, un flic. Ah bah non, tout mais pas eux. Disons que je me suis faufilé. Comme un faux filet. C'est pas ce que vous attendiez, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ces espèces de... d'ombres? Je suis ici pour tenter de le découvrir. Le gouvernement a mis quelque chose dans le café. Ça transforme les gens en monstres de café. Le gouvernement? On parle bien de l'agence gouvernementale qui me traque depuis des années. C'est un truc dans le café qui produit ça. Vraiment. Il m'a fallu du temps pour pouvoir l'admettre aussi. Ah, moi aussi. J'ai d'abord cru... Je sais plus ce que j'ai cru. Mais là, j'en suis sûr. C'est de la science de l'état profond. Ah putain, il se fout de la gueule des complotistes, ça y est. Je recherche une personne. Mon frère. Vous avez croisé quelqu'un? Seulement vous, à part les monstres. Désolé, madame. Ils ont aussi enlevé des gens de zone X.
Night Springs. Je suis là. Vous pouvez dire Night Springs, c'est le nom de la ville. Vous allez devoir partir, c'est dangereux ici. Je ne partirai pas d'ici sans avoir trouvé mon frère. On est bien d'accord. Je peux comprendre. Il y a un entrepôt après le parc. Il est fermé. Il y a une sécurité moderne du gouvernement, mais leur interphone est foutu. Je pense que c'est là qu'ils retiennent les gens enlevés. On peut tester. Il y a un pistolet et une lampe torche sur le banc. Ah voilà, parfait. Je préférerais que vous les preniez. Dans le doute. Ces monstres n'aiment pas la lumière. C'est vrai, les flics... Surtout, ne buvez pas de Capri. Ça devrait m'être T'inquiète. Utile. Comment on utilise la lampe de nouveau? Ouais, c'est ça. C'est comme ça, ok. Je suis en train de gaspiller des piles comme un connard. Mais ça va le faire. Il fallait que je me souvienne. Ça fait longtemps qu'on n'a plus joué. Allons voir l'entrepôt dont parlait le shérif. Attends deux secondes. T'es toujours avec moi? Bonne nouvelle. Ok. If, paf, ouf. Ah bah nickel. Ah bah voilà des piles. Et des balles. Et des kits de soins. Des kits de premiers soins. Ok nickel. Super nickel. L'entrepôt donc. Et je suis censé le trouver où l'entrepôt? Je sais plus. Je suis du père, ça fait tellement longtemps. Ah, c'est là-bas. Ah, une glacière. On n'oublie pas bien sûr que dans le jeu, les glacières, très important. Ah oui, là, c'est la baraque. L'entrée du... Une salle de dégustation? On va peut-être éviter de déguster. Hein. Pas très envie de déguster, moi. C'est non. Allez, salut. C'était pas par là. Non, non, mais c'est bon. Pas de café, je suis allergique. J'en ai bu bien assez aujourd'hui. J'ai bu du Oli. Du Oli énergie. Et du coup, bon... C'est pas la peine de boire du café en plus, quoi. On se comprend, on se sait. Oh, le puits. Les souvenirs de ce puits, hein. Hop. Ok, donc là, on a le heal. Ah oui, c'est vrai. On remet une heal. Putain de merde. What the fuck? Ah oui, je me souviens plus que c'est aussi dur, bordel. Bizarre aussi ce gun qui... Attendez, ils me disent B pour recharger. Bon, moi, je veux bien recharger ma lampe, mais... Et arrête de la ranger, Micheline! Ah mais j'ai rechargé ma lampe en fait, tu vois. Ça doit être l'entrepôt. Mais comment je peux y entrer? Attends deux secondes. D'abord il faut looter et chercher s'il n'y a pas des choses. J'ai 300 balles, ça va, on n'est pas dans la panade. Ok, donc là c'est mort, c'est fermé. Je pense que de toute façon il va nous demander un code qu'on n'a pas. Zone restreinte. Accès restreint. Ok, là c'est fermé. Un moyen de passer au-dessus peut-être? Non? Non. Oh, bonjour. Bonjour. Alors. Là, là, là. Ok. Ok. Parce que là c'est facile. Jusque là ma mémoire de personnage arrive à gérer. On sait pas pour combien de temps, mais pour l'instant ça va. Ok, donc on peut pas passer par la porte principale. Bon, il devrait bien y avoir une porte secondaire quelque part. Et mon pote, il est où Mon pote, le truc bizarre qui est censé m'aider.
que cette cabane là est pas un truc? Y'a rien. Oh, mais ça va, on sait. On se sait. Et je peux pas passer par là, y'a pas de... Genre je suis Jesse Faden, je suis la directrice et je ne peux pas... rentrer chez des pecnos comme ça. Attendez, ça j'ai fait. Là y'a R. Je dois aller où? C'est pas clair hein. Coffee warehouse, ok. Ah le puits il est... ok. On va demander au shérif. Allons demander à Timbaland. Ah, on peut plus lui parler. Ah, merci. Ok. Je suis censé faire quoi du coup? C'est pas extrêmement clair. Alors, entrée, welcome to the... Ok, ok, c'est juste le plan du parc, il n'y a pas forcément d'informations sur l'endroit où je veux aller. Il a un mode le gun, il a un mode auto quoi. Incroyable. Ah, si on avait eu ça dans Alan Wake. Voilà, c'est fermé, y a rien. Ah, des glacières partout. Quel plaisir les glacières. En vrai, ma vision des glacières va vite changer si. Pourquoi un bureau d'accueil dans un parc d'attractions? J'avoue, c'est chelou. Pas de cassette. Ah, il me fait une cassette. De toute façon, je suis pas venu ici pour regarder des films. C'est vrai. Eh ben. Sacré télé. Y'a quoi par là? À part une glacière. $300! Un roasting bar. Allons voir. Oh là là, un parc d'attraction sur le café, c'est quand même du génie en vrai quand on y réfléchit. Oh, une glacière. JPP, y'a trop de trucs. Ah oui, mais c'est vrai un qu'il y avait ça. Café. Cet endroit me donne vraiment envie de boire du café. En même temps, c'est le but. Écris quoi là-dessus? Il me faudrait le code de ça en fait. Arrêtez de me donner des balles, donnez-moi des codes. Et si je retourne à l'entrée, est-ce qu'il y avait un autre un code sur la page? Ah, ça s'est refermé. Ah bah, bah voilà. Me voilà fait. Et caméra. Ok, donc là on était. Testing room, on était aussi. Bon, on n'a pas bu de café parce que... pas déconner quand même. Ouais, du loot partout, c'est un truc de zinzin. Le jeu, il veut vraiment juste qu'on profite de l'histoire et fuck le reste, quoi. Expresso Express, c'est fermé. Oh, quel dommage. Et du coup, est-ce que je suis obligé d'aller boire du café dans la tasting room? Tiens donc. Tiens donc. Bah, s'il le faut, moi, je veux boire du café. Hein. Ah, là-bas, je vois. Ça brille. Ça brille de mille feux. Attends, mais ça brille chez le shérif, mais je peux pas lui parler au shérif. À moins que je puisse de nouveau lui parler maintenant. Pour une raison...
qui me dépasse. Bah non. Bah alors qu'est-ce que je fasse? Il y a peut-être des trucs écrits là-dedans en fait. Alors, nos modes employés, venez tenir compte des modifications liées au changement de direction. Dorénavant, Coffee World sera ouvert uniquement la nuit. Cela permettra d'attirer de nouveaux clients. Le personnel devra mettre en avant notre nouveau café noir comme le néant. À ce sujet, nous aurons demain une dégustation spéciale destinée aux employés. Présence obligatoire, venez avec vos amis. Blablabla, Coffee World, mon cul. Alors, un mec a disparu, Jacob Flemson, 52 ans, masculin, 1m80, 82 kg, vu pour la dernière fois en randonnée dans le parc national de Zone X, de Night Springs. Le 18 septembre, la compagne de Jacob Flemson a déclaré qu'il avait été vu pour la dernière fois alors qu'il se dirigeait vers le parc national de Night Springs aux environs de 11h30. Flemson était vêtu d'un t-shirt noir arborant le logo d'un groupe de rock, d'une chemise à carreaux et d'un jean bleu marine. Un jean bleu corsé. Mais c'est tout. Et si je shoot avec ça, moi. Shérif. Oh, je vais aller boire du café, hein, écoutez. S'il y a que ça. Et c'est vrai qu'on peut dodge. J'avais oublié. C'est quoi cette petite maison? Maison. On peut pas rentrer dedans. Quel dommage. Quel dommage. Oh, c'est Bob Eagle. Ceux qui ont la ref ont la ref. Allons goûter ce café. C'est tout? Par là? Tu as tiré? Pourquoi j'ai pu réussir à tirer? C'était très bizarre. Alors. Bip. J'ai déjà oublié. Bip. Non. Bip. J'ai aucune mémoire. Aucune mémoire, sachez-le. Écoutez, on va se heal un petit coup. Hein. Oh non, ça va, je croyais que je m'étais pris un coup, mais pas du tout. Tout va bien. Ah, que vois-je là-bas? Une glacière, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il est venu foutre dans ce parc, le frère, d'ailleurs? Maintenant qu'on en parle. J'ai 500 munitions, c'est n'importe quoi. Ah, c'est vrai qu'il y a le slow roaster aussi. Avec une glacière, bien sûr. Parce que pourquoi pas donner toujours plus de munitions aux gens? Alors là-bas, il y avait un truc, je crois, dans le jeu. Oh, bah, on boit des munitions. Surprenant. Voilà. En bas milieu. Ok. Oh, j'ai aucune mémoire. Oh, j'ai aucune mémoire. J'ai aucune mémoire. Ok. Oh, Nick, j'ai raté. Quoi? Je sais plus. J'ai oublié, attendez. Oh, je suis fatigué, si je suis vieux, excusez-moi quoi. Ok. Oh. Oh, c'est compliqué la vie. Vie de personne âgée, hein. Je vous le conseille pas. Hein. Mauvaise expérience hein, de vieillir. Hein. Personne n'a envie de ça. Ok, bah là j'ai pas le choix, il faut que j'aille boire du café en gros. Hein. Le jeu ne me laisse aucune autre possibilité. Il faut que je devienne l'un d'entre eux. Il vaudrait peut-être mieux éviter de boire n'importe quoi. Oh, je sais pas pourquoi tu dis ça. Très costaud.
Ah, yonk. Moi, j'aimerais bien avoir des tasses aussi résistantes. Ah, non. Mais attendez, là, j'ai fait le tour du parc, y'avait rien. Nani! Où est-ce que j'étais pas? Testing room, j'étais. Slow roaster, j'étais. Latte Lagoon. The Percolator, j'ai pas fait, je crois. Roasting bar, là il y avait ça. Ok, d'accord, c'est derrière le. C'est de l'autre côté par là-bas. Si on peut y accéder. Rien n'est moins sûr. T'as toujours pas de parler, toi? Toujours en dépression? Jean-Michelu. Si, là j'étais, là. Oui, là j'étais. Les glacières sont ouvertes. Ouais, j'étais partout. Attends, mais que me demande le jeu? Je comprends pas. J'aimerais bien trouver le code pour le roasting bar. Y'a pas d'infos, hein. Je suis censé deviner, genre? Arrête de tourner, tu m'angoisses. Stop. Ok, merci. Ok. But what now? Voilà, c'est pas clair là. J'aime pas quand les choses sont pas claires, ça m'angoisse. Tout m'angoisse. On est d'accord qu'on peut pas passer au-dessus ici. Les chiottes ne servent à rien. Là, on peut toujours pas rentrer, je pense. Salut, j'aimerais pouvoir entrer. Le Fort Boyard ? Je l'ai perdu. Putain de machine. Ah, c'est une phrase. Oh bah oui, allons-y. Hein. Bien sûr, quelle est la question ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? Réponse incorrecte. Triangle ? Réponse incorrecte. Ah, il nous faut la cassette vidéo du coup. Pour aller voir Timbaland. Il va peut-être pouvoir nous aider, le on shérif. On va devoir trouver la vidéo d'orientation. Je sais pas comment m'orienter pour trouver la vidéo d'orientation. Je vais aller demander au seul personnage. Plus ou moins agréable du coin. Bonjour shérif Timbaland. Hey. Apparemment le système de sécurité a besoin d'un mot de passe pour entrer dans l'entrepôt. Vous l'avez fait marcher. Je me demande pourquoi il s'activait pas pour moi. Oh tu sais. Il demande quoi exactement? Il nous demande le quatrième mot de l'énoncé de la mission Café Triangle Noir. Est-ce que vous savez ce que c'est? Bien sûr, ils veulent vous montrer la vidéo. Bien sûr. L'info que vous cherchez est sur une cassette vidéo, mais elle est pleine de trucs pour retourner le cerveau. Je l'ai un peu regardé et... Et ça m'a retourné le cerveau. Ça a eu un effet sur moi. C'est dangereux. Il ne faut pas la regarder. J'ai besoin de cette cassette, pas le choix, là. Shérif. Shérif, donne c'est la cassette. Justement comme ça qu'il nous coince. Mais bon, si vous la voulez vraiment, je l'ai cachée dans la grande roue, tasse numéro 4. Prenez cette clé. Ah, tu veux pas me la donner direct ou de la jeter sur la table? Espèce de malpropre. Ok, let's go à la grande roue alors. Le slow roaster. Putain, on en revient quoi. Au moins je connais le plan maintenant. C'est bon, j'ai le plan en tête, tout va bien. Oh les connards, ils sont revenus, ça y est. Tu peux pas me laisser tranquille, non? Même pas peur. Même pas peur.
Ok. Ah oui, là. Hop, les... Ok, let's go. On peut l'arrêter, genre. 7, 8, 9, 10, il y a combien? 11, 12, mais il y en a beaucoup. 1, ah voilà. C'est dans la 4, il avait dit, je crois, Michel. Timbaland. Oh, celle était jolie avec les flammes. Je l'aimais bien. J'ai la cassette vidéo. Allez, on se fait un petit film. Bureau d'accueil donc. Vas-y. On va recharger la lampe torche, hein, tant qu'on a fait, tant qu'à faire, on a moult piles donc. Le bureau d'orientation, je sais plus où c'était. Je suis tout désorienté. Je crois que c'était le Welcome Center, hein, si je dis pas de conneries. Ils m'ont vraiment fait repopper tous les connards. Hein. Non, ça va. Ça va, ça va. Allez. Florissante qui a pour mission hein. De séduire le pays avant de conquérir le monde entier grâce à son café envoûtant. Attiré par l'arôme et les grains uniques de notre café, les gens rejoignent en masse le mouvement Triangle Noir. Le credo de l'entreprise est très simple. Boire la vérité, là. C'est incarner. Voilà ce qu'on cherche. Vérité. Le mot de passe est vérité. Maintenant, on peut voler. Wow! Qu'est-ce que. Je sais pas. Ce qui te fait. Comment ça? Il y a un truc. Ah! Dans ma tête! Comment ça devenait du café? Tu dois me venir. Buvez. Il est grave. Oh, pitié, néant. Ouf! Heureusement qu'il est venu m'aider, mon meilleur pote. Tu m'as sauvé. J'ai comme l'impression que c'est pas la dernière fois. Comme si une voix hurlait dans ma tête. Oh, mais on a ce qu'on cherchait. Ils veulent que je devienne du café. De l'énoncé de la mission. Vérité. Oh. Retournons à l'entrepôt. Oh, c'était un peu inquiétant. Hein. Oh, c'était pas très réaliste. Cette vidéo avait un effet sur moi. Si t'avais pas été là. Qu'est-ce qui se serait passé? Ouais, tu serais allé boire du café, hein. Qu'est-ce que cette agence trafique ici? Elle contrôle les gens? Pourquoi? Dans quel but? Et si mon frère avait déjà été... Non. J'ai pas fait tout ce chemin pour le perdre maintenant. C'est vrai. Vérité. Vérité. Putain! Casse les couilles, putain. Fahrenheit. 180 180 degrés. Et merde. Oh bah c'est reparti. Allons voir le shérif de nouveau. Je devrais trouver la bonne température au bar à café. La température de torréfaction optimale. J'ai entendu des connards. T'aurais pas la réponse par hasard. Sous les connards. Ça m'aurait étonné. Ça veut dire non, ça? J'ai entendu des connards. Bonjour. On fout, j'ai largement assez de munitions. Bar à café, c'est ici donc. J'ai traîné dans suffisamment de cafés pour reconnaître un torréfacteur. Ok, voyons ça. Angle du premier, nombre du premier. Comment ça? Angle du triangle, nombre du premier. Nombre premier, pardon. Oh, oh non, pas des énigmes à la con. Angle du triangle, quoi ça? La température est supérieure à la somme de notre triangle. 180, donc c'est supérieur à 180 degrés. Alors, savoir que les angles du triangle sont, forment toujours un total de 180 degrés.
Là, c'est un triangle équilatéral, donc les trois angles font 60 degrés. Donc ça formera toujours 180. Plus que la somme de ses composants, supérieur à la somme du triangle, rejoignez la percolation. Découvrez la mystérieuse incroyable essence. J'ai l'impression d'être de retour à l'école. Ok, bref, torréfaction c'est notre secret. Le premier chiffre de la température de torréfaction optimale est la moitié du deuxième chiffre et le troisième chiffre est inférieur de 1 au précédent. Je déteste. Attendez, quoi? Alors, premier chiffre, donc c'est au-dessus de 180, on est sûr. Le premier chiffre de la température de torréfaction optimale est la moitié du deuxième. Ah, donc ça doit être 100. Mais ça peut pas être 100. Mais il faut que ce soit super chaud alors du coup. Et la moitié du deuxième, donc si c'est 200, ça nous ferait du 240. 243. Parce que 100 c'est 120. Attendez, on va prendre des notes. J'ai des post-it, ça tombe bien. Donc c'est pas possible que ce soit 121, c'est pas possible. Ça peut être 243. Ça peut être 365, ça peut être 487, et c'est tout. Donc 243, 365 ou 487. Que me dit le troisième truc? Premier... Découvrez la maison. Nombre premier? Le premier des cafés, le saviez-vous, la température optimale de torréfaction est inférieure à 500 degrés Fahrenheit. Oui, bah ça c'est normal. Non mais ça va être le 365 étant donné que c'est un nombre premier. Je crois que le 3, si je dis pas de conneries, est un nombre premier. Donc si on essaye 365 là-dessus. Ils emploient peut-être que des mathématiciens ici. Je crois que ça va pas. Ah, bah c'est 487 du coup. 487 degrés. C'était du pif. Hein. J'aurais pas cru que mes cours de géométrie me seraient utiles. Ah bah comme quoi. Ok, 487 donc. C'est énorme, 487 degrés Fahrenheit. Ça représente combien en Celsius? Oh bah non, après c'est pour torréfier, donc il faut que ça crame un peu quoi. Ça fait sens. Donnez la température de torréfaction optimale des grains triangle noir en Fahrenheit. 487 degrés. Oh, il casse les couilles! Oh, c'est pas vrai! Je l'ai goûté, ton café. Vous n'êtes pas le café. Goûtez le café. Ça se tente. Ouais, je suis pas sûr. Le café. Le problème, c'est qu'il m'a dit vous n'êtes pas le café. Ça risque d'être problématique. J'ai pas le choix. Tu me protégeras? Il est là-haut, le con, là. D'accord. Il n'y a pas un auto-aim dans ce jeu, un jour? Allons goûter le café. On me tire dans les pattes. Allons goûter le café. C'est parti pour l'enfer. Let's go. Okay, let's go. Je te fais confiance. Oh. Bon. C'était pas si... Ah bah oui. Non mais non, j'ai pas envie de devenir le café. Merde. Ben je suis toujours pas le café. Un truc qui va pas avec ce café. The fuck? Merde. Qu'est-ce qui se passe? Sheriff Timberland. Il est où Timberland? Ah ça va, il est sous le lampadaire, tout va bien. Vous allez bien, shérif? J'ai entendu des tirs. Oui, ça va. Je vous cherchais quand une de ces choses m'a attaqué. Elle m'a mis
mis un peu de café dans la bouche, mais j'ai tout craché. Ça ira. Elle a pas l'air bien. Mais écoutez, j'ai compris quelque chose. Oui ? Goûtez le café ? Qu'est-ce que vous avez compris ? Vous êtes sûr que ça va ? Oui, tout va bien. Ces fumiers du gouvernement mourront jamais. Mais il n'y a pas que le gouvernement. Ah non ? Il y a qui d'autre encore ? Il y a autre chose ici. Je sais pas de quoi il s'agit, mais c'est... Vous devez trouver votre frère et filer d'ici le plus vite possible. Jurez-le. Mais oui. Tu vas devenir le café. Je vous le promets, shérif. Bien. C'est bien. Deviens pas le café, hein. Je vais juste reprendre mon souffle une petite minute. Ça va, frérot ? Deviens pas le café, hein. Ça m'inquiète, hein. Je suis pas bien, hein. Là, on va appuyer et il va devenir le café. Goûtez le café. Je l'ai goûté, ton café. Vous êtes café. Oui, oui. J'ai pas très envie de déposer mes armes. Mais bon, c'est pas le choix. Ah, la lampe n'est pas une arme. C'est parti. Bienvenue, café. Oh non, il fait noir. Ravi qu'une de nous le soit. What the fuck? Il la danse! Non mais c'est quoi ces saloperies? Vous n'êtes pas un... Comment je me baisse de nouveau? Ça ira. C'est-à-dire ? Une clé. Je ferais sûrement mieux de la garder. Il est la tasse. Il est la tasse. J'ai pas envie ! Ah, ah merde ! Ah ouais ! Ah ! J'ai rejoint la percolation apparemment. Ah oui, c'était Je ne m'attendais pas à tant de virulence. Ah, il faut que je redépose mes armes. D'accord, très bien. C'est parti. T'es prête ? Ravi qu'une de nous le soit. Attendez, mais il n'y avait pas une option pour se... Pour se baisser ou quelque chose comme ça ? Oh non. Vous n'êtes pas un fusil. Non mais c'est quoi ces saloperies? Vous cherchez la tasse. Vous avez vraiment un grain, sérieusement. La tasse promise a été trouvée. C'est la lampe qui s'est éteinte. C'est-à-dire ? Une clé. Je ferais sûrement mieux de la garder. La tasse promise a été trouvée. Le café parle pour lui. C'est-à-dire ? Bah où ? Vous n'êtes pas. Non, je vais me faire enculer de nouveau là. Non, ça va. L'autre il est là, ça va. Oh, par contre, entre quoi. Ok, ça passe crème. Pardon. Ça me fait beaucoup trop rire. Alors, j'ai oublié leurs ordres, j'ai mis leur café en sachet et fait venir des gens à Coffee World pour partager la bénédiction. Ils disent que je suis presque au point. Bah d'accord. Mais encore. C'est-à-dire. Oh non, il est devenu le café. Ça ira. Shérif ? Shérif ?
Comment vous êtes entré ? Le café en famille, c'est convivial. Oui, c'est convivial. Oui. Hé ! Arrêtez tout de suite ! Le café résout tous les problèmes. C'est excellent pour le cœur et ça rallonge l'espérance de vie. Oh merde ! Bon. Oh, je suis tellement désolée, shérif. Bon, on va descendre. Je nage en plein cauchemar. Il y avait un temple ici dans Alan Wake. Pitié, faites qu'il aille bien. Eh ben, on va voir ça. De toute façon, j'ai plus d'armes donc. J'hallucine. C'est parti, hein. Est-ce que t'as déjà vu un truc pareil ? Qu'est-ce qui se passe ? J'enlève ma tête. Oh, c'est beau cette image. C'est un peu X-Files en vrai, hein. L'écrivain. Salut Frangine. Comment ça? Je dois te parler d'un rêve que j'ai fait. Comment ça? Comment ça? Conspiration au cœur d'une conspiration. Comment dénoncer un mensonge quand la vérité dépasse les limites de notre imagination la plus folle? Qui peut dire jusqu'où nous mènera cette spirale infernale dans la zone X? Aïe aïe aïe. Eh ben c'était cool en vrai. C'est toujours très inattendu. Vous êtes le café? On va pas laisser la musique, sinon on va se faire DMCA. Et on n'a pas envie de ça. Hein? Et café. Allez YouTube, merci beaucoup d'avoir suivi cette deuxième aventure de la Zone X. Et tout de suite, pas pour toi parce que je vais arrêter la VOD, mais tout de suite, le troisième épisode. Au revoir YouTube, prenez soin de vous, des bisous. À la prochaine dans la Zone X. Abonnez-vous.